Le passeur, il est là! Et salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur The Last of Us Remastered. Donc sur PS4. Donc on se retrouve dans l'hôpital des Lucioles. Donc là, Ellie est sur la table d'opération. Et Joël semble assez énervé. Ok, donc on connaît le prénom du gars qui l'a buté. Ethan. Oh là là, ils sont déjà 5. Alors pour éviter les embrouilles, je pense que c'est peut-être plus prudent de les éliminer au fur et à mesure, au cas où. Oh putain. Ah, ils se séparent. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. La salle a l'air assez grande quand même, enfin la salle. L'air de jeu, entre guillemets. Oh putain, viens là. C'est bien, il est toujours de dos. Il se rapproche pas de ses collègues, c'est parfait, on va le choper rapidement. Allez, 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 allez. Ah, quoique merde. Non, c'est bon. Pendant un moment, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la salle juste en face. Alors, on va essayer de la jouer assez discrète quand même. Alors, attendez, j'en vois que 3. Ah, elle est là-bas, le quatrième. Tout au fond, ok. Alors, après, je sais pas trop où faut aller. Quoi? Il y a eu le bruit comme si j'allais me faire repérer, là. Bon, de toute façon, c'est fermé, parce qu'il me semble qu'il y a une portion à l'extérieur. Putain, mais pourquoi il vient, lui? Putain, je suis pas caché, là, je crois. Merde. Je pense pas être caché. Non, il a une armure. Ah non, il y en a d'autres qui arrivent. Heureusement qu'ils ont leur lampiote. Non, bon, allez, on va essayer d'aller le choper. Les deux autres sont un peu plus loin. Merde. Bien sûr, il se met dans le couloir. Où sont ces deux potes? Ou pas? Attendez. Non, non, ils ont rebougé. Ok. Bon, toi, là. Ah, ils sont plus loin. Ok. Allez, on va le choper. Ou pas? Allez, il y a deux façons de régler ça. J'en vois qu'une. Il gueule pas, parfait, on va essayer de se cacher vite fait. Allez, hop. Non, non, non. Quand il est brutal comme ça, ça veut dire qu'il est grillé, non? Oh putain. Mais d'où je me suis fait griller? Voilà, allez, 6 gars, c'est la fête. Putain. Fait chier. Hein. Mais comment je me suis fait griller? Et même s'ils ont entendu du bruit, pourquoi ils envoient du renfort et style, ils savent déjà où je suis? Non mais c'est n'importe quoi. Oh putain. Bon. J'ai foiré mon infiltration. Mais c'est pas grave. Ah, il y a une vitre. Merde. C'est là qu'il n'y a pas de vitre. Oh putain. Comme par hasard, il vient dans la salle où je suis, hein. Il pourrait aller n'importe où, mais non. On va lui faire une petite surprise. Vas-y, passe. Oh putain, mais d'où je... Mais c'est... Putain, mais non, mais pourquoi j'ai mal visé? Trou du cul. Oh mon dieu. Putain, j'ai mis un petit coup sur la fin. Oh putain, allez, c'est bon. Nya, nya, nya. Je me suis foiré sur mon tir à l'arc. Je suis complètement naze. Ok, apparemment, ils m'ont pas suivi jusque là. Attends, mais ils regardaient de l'autre côté tout à l'heure, les deux gars. Putain de merde. Non, mais tuez-moi, c'est bon. Putain. Oh putain. Je vais essayer de passer sans les tuer parce que. Ouais. Ah, il y a peut-être des checkpoints, non? Non, mais alors pourquoi il me remet ici? Je vais essayer de passer sans les buter.
Mais je comprends pas comment je me suis foiré, quoi. Putain, le mec, il m'avait pas repéré ni rien. Putain, allez, on va le choper, lui. Parce qu'en difficile, le combat direct me paraît exclu. Déjà que j'avais super galéré en normal sur PS3 à l'époque. Attends, il est à l'extérieur, on est d'accord. Putain. Je vais reprendre ma revanche. Ouais, mais est-ce que ça va le one-shot? Mais où tu vas, putain? Tu me saoules? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas où il va. Ok, j'avais pas capté qu'on pouvait sortir de ce côté. Ouais, non, mais là, je peux pas passer, les gars, ils bougent pas, je crois. Merde. Il y a deux mecs immobiles. Ça m'arrange pas, ça. Allez, retourne-toi. Viens ici. Voilà, fais dodo. Ah, des munitions, bah quand même. El Diablo. On va pas le sortir pour le moment, donc ils sont trois encore. Ou alors ils viennent un par un, comment ça marche? Alors là, pour le coup, ils sont un peu cons. Ça m'arrange. Hop, et je crois que j'ai une nouvelle arme, du coup. Alors, je connais rien en arme à feu. Fusil d'assaut, ok. Il n'y a pas un nom spécifique. Pour l'instant, on va pas le sortir. On va rester au lance-flamme. Non, mais c'est ça, ils viennent un par un. C'est complètement con. C'est parfait, ça m'arrange. C'est ridicule. Allez. Donc, il y a trois cadavres superposés. Hop, on va recharger tout de suite l'arme. Mais non! Je voulais recharger, patate. Attends. Pourquoi les mecs viennent, là? C'est qu'on peut pas le faire en infiltration? C'est quoi, cette histoire? Putain, mais c'est de la connerie, ça. Je me suis pas fait griller. Ou alors, il y a toujours le même nombre de gars. Comment ça se passe? Putain, c'est relou, Oh, fais chier. Avec ton bob, là. Vas-y, passe par la porte. Allez! C'est bon, j'ai cru que j'allais me faire repérer. Mais non, mais non. Alors, merde, merde, merde. J'espère qu'il a rien vu. Il a rien vu. Mais je comprends pas pourquoi il y a du renfort qui est arrivé. Regardez, il prend pas de talkie-walkie ni rien du tout, hein. Voilà, un de moins. Donc j'ai pas fait les comptes, hein, je sais pas combien je suis. Quoi, 6 ou 7 dans la même salle? C'est complètement con. Allez, on avance. Ah putain, ils sont encore 3. Bon, bon, bon. Je crois que je suis même pas allé dans cette salle. Alors Ellie est au dernier étage dans la salle du fond. Comme par hasard. Ok, donc là il y a un mec. Deux mecs et un autre derrière le muret. C'est qu'à ce qu'ils sont protégés quoi. Je suis sûr qu'une flèche ça les one-shot pas. Putain, et là ils sont deux ensemble. Merde.
Ou alors je pourrais prendre El Diablo. Mais par contre, c'est pas du tout discret, quoi. Ou alors j'essaie de les contourner et de passer. Là, je pourrais l'avoir avec El Diablo. Mais comment ils vont réagir, les autres? C'est ça qui me fait un peu peur, on va dire. Non, rien, trop tard. Il est trop loin, là. On va se contenter de s'approcher. On avisera. J'ai un lance-flamme. Je vais ressortir le shorty, du coup. Mais non, mais... Putain, c'est pas la première fois que je veux changer d'arme et l'autre, il escalade. Shorty, on a dit. Oh, putain. Non, non, non. J'ai eu une idée de merde, là. Enfoiré, t'as rien vu. Alors arrête, hein. Mais d'où? Attends. Mon fumigène me fait plus de mal à moi qu'à lui. C'est complètement con. Bon, je me suis un peu chié dessus, là. L'arc, on va le ranger. Mais non, mais attends. Il y avait du fumigène. Comment tu m'as vu? Tu m'expliques? Putain. Allez, il y a encore du renfort, ils sont trois. Ça vous suit ou pas? Les gars, réagissez là. Hop, on se refait un fumigène. Fais chier. Voilà. On économise les munitions. On ramasse une bouteille. Ah non, mais non, mais... Oh. Putain, mais c'est pas vrai, c'est impossible à passer, ce truc. Je crois que la discrétion, là... Putain, je vais lui faire cramer. T'en bouge pas, s'il te plaît. Putain, je t'ai dit de pas bouger. Non, cassez-vous. Cassez-vous. Putain, le corps à corps, ça marche pas. Oh putain, fais chier. Manque d'efficacité au corps à corps, j'ai voulu tester. Alors j'espère que je me retape pas tout, s'il vous plaît. Non, ça va. C'est quand même ultra relou. Bon, on va tenter la manière forte, voir si ça passe. On va la jouer John Rambo à l'arc. Putain, mais c'est pas vrai. Tiens, bouffe ma flèche, salopard. Ah putain, esquive pas mes flèches. D'accord, la deuxième l'a touché, on sait pas pourquoi. C'était un peu bizarre. Allez, venez, bande d'enfoirés. Non mais venez, mais pas aussi près là, s'il te plaît. Ouais, on voit ta tête. Attendez, faut pas que je me laisse déborder. Allez, remonte ta tête. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur d'être pris... à revers dès que je bouge. Bon. Merci. Ok. Bon. J'aurais dû tester ça beaucoup plus tôt. Mais c'est pas normal que cette approche soit favorisée, quoi. On devrait pouvoir passer discrètement. Non, non, non. Garde ton pompe. Putain. Comment je peux l'avoir, lui? Allez, chope-le. Défonce-le rapidement. Putain, mais il y a toujours des mecs qui se ramènent, sérieux. Putain, mais c'est pas vrai! Au secours! Au secours, au secours. Je vais jamais y arriver. Putain, ils sont tous discrets là. Il y en a qu'un que je capte. Fais chier, sérieux. Oh putain. Non, 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 non. Cassez-vous, allez-vous. Hein. Hop. Tu me vois pas. C'est toi l'enfoiré. Ah, j'ai plus le shorty. Merde, merde, merde. Dépêche-toi de changer. Shorty, shorty, shorty. Hop. Il est où le mec?
Putain, mais ils se déplacent vraiment bizarrement, les mecs. Hein. Il était à côté de moi, pourquoi il s'est écarté? Bon, on va aller là-bas. Je pense qu'il y a moyen. Putain, mais genre, il a compris ce que je voulais faire. Reviens ici. Oh putain. Mais ouais, mais ils sont trop tassés là. Je peux rien faire, sérieux. Voilà, t'as compris. Putain, ça l'a pas tué, hein. Merde. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Non, 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 tu me... Putain, mais change d'arme, boulet, va. Non, mais là, je suis pris en sandwich, là, au secours. Salut, on va essayer de tracer comme un débile. Ouh, l'idée de merde que j'ai eue. Allez, hop. Esquive les... Putain, il s'arrête. Putain, ça marche pas. Bon. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre, vous me saoulez. Putain, mais merde. Allez, allez regarder ailleurs là, foutez-moi la paix. Putain, je me rappelais que c'était relou ici, mais pas à ce point. Il me voit pas, allez, on trace. On va éviter le combat, c'est trop pénible. Ah, d'accord. Allez. Alors attendez, mais je vais où après? Parce qu'en théorie, j'espère que c'est la bonne route déjà au moins. Ça se trouve, on peut pas passer par manière forte, hein, j'en sais rien. Parce qu'il y a eu quand même énormément de renforts, je trouve. Mais je vais où? Merde, je pensais que c'était là. Fais chier, fais chier, fais chier. Où je vais? Ah, par là. Ah, il peut pas passer ici. Passe. Cours. Baisse-toi. Putain. Faites-moi pas chier. Là, normalement, je suis pas grillé. Quoi, de ce côté, attention. Je viens de dire, normalement, je suis pas grillé. Ou alors c'est qu'il y a du renfort régulièrement. Ok. T'as rien vu, t'as rien vu. Oh putain de merde. Oh, putain, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas le moment de regarder ça. Il est tout seul? Mais du coup j'ai plus l'arme mince. C'est pas grave. Allez, montre-toi, là, on n'a pas que ça à faire. Allez, patate. Montre-toi. Viens ici. Non, 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 non. Allez, on défonce. On ramasse l'arme vite fait. Et on dégage. Oh. Putain, j'ai galéré quoi, 18 minutes, ça fait chier. Donc faut aller en haut, est-ce qu'en bas il y a des trucs à récupérer? Je ne sais pas. Non. Je suis tellement mauvais au tir, je pense pas que le fusil d'assaut, ce soit ce qu'il y a de mieux pour moi. Bon allez, pompe le fusil d'assaut. On va essayer la manière un peu plus bourrine. Vu que mes premières tentatives, hein. C'était un peu du caca. Un groupe électrogène, non. Ok, allez, on avance. Donc là, on dirait qu'il n'y a personne. Ouais. Attendez, j'ai vu des trucs briller, oui. Une note. Ou un petit magnéto. Ah, de Marlène, tiens. Sur notre chirurgien en chef. Apparemment, il est impossible d'extraire le parasite sans éliminer son hôte.
Autrement dit, ils vont devoir tuer cette gamine. Ils me demandent de leur donner le feu vert. Les tests sont de plus en plus difficiles, j'ai l'impression. Je suis épuisé. Je suis épuisé et je veux que ça s'arrête. Alors, soit. Ok. Ok, ok, Marlène a fini par craquer et accepter. Ok, ok, alors attendez. Non mais je suis blindé là, on n'a jamais vu ça. Sauf en lame. Mais regardez-moi ça. J'ai trop d'alcool. Ils sont en train de me troller, sérieux. Hein. Pendant la moitié du jeu, j'avais pas une goutte d'alcool et là j'en ai trop. Bande de fumier. Allez, tac. Du scotch. Donc s'il donne de l'alcool, c'est que c'est pas fini. Hein. Alors attendez. Non, c'est condamné ça. C'est tout scotché de partout. Par où on va, s'il vous plaît? Attendez, je suis arrivé de par là, là. Putain, je me rappelle même pas. Non, je suis arrivé de par là. Ok. Ah putain, je le sens mal là. Avec la lumière en plein dans la tronche. Non, il se passe rien. Ok. Je m'attendais à avoir un comité d'accueil. Encore de l'alcool, merci beaucoup. Je vais peut-être améliorer mon hache. Ça pourrait être pas mal. Journal de Marlène. Oh, comme c'est long. Ouais, non, non, c'est trop long. Même si c'est Marlène, ça fait un peu trop long pour tout lire. Donc, tac, petite pause. Ensuite, on continue. Tac. Ça, je pense que je le lirai quand même en off. Parce que ça doit être assez intéressant. Tac, ensuite, 28 avril. Et voilà. Ça, je le lirai quand même. Alors, du coup, je crois que le magnéto s'appelait... Enfin, il y avait un, donc il doit en avoir plusieurs en théorie. Alors, on va prendre le temps de fouiller un petit peu, tant que c'est calme. Du coup, est-ce que c'est la peine de se déplacer accroupi? Je ne pense pas. Oh, il met des salles vides. Ils sont sérieux. Oh là. D'accord, il n'y a pas un seul truc en trois salles. Super. Putain, je le sens mal là. Ah, je crois qu'il y avait un autre passage derrière. Oh putain. J'arrive, Ellie. Non mais il est timbré l'autre. Il veut buter tout ce monde. Donc en théorie c'est par là-bas. Il n'y a pas moyen de contourner par là je suppose. De toute façon c'est verrouillé. Oh. Ah, ça s'ouvre. Hop. Au surin peut-être. Non même pas. Ah mais non, mais on revient au début. Ok, d'accord. J'ai rien dit. C'est qui parle? Chut. Oh mais non, mais regardez, ils sont combien? 6. Ils sont au moins 6. Fuck. Hein. Bon, le shorty, c'est un peu de la merde. C'est beaucoup moins efficace que le pompe. Au début, j'aimais bien, mais là, il m'a carrément déçu sur les humains. Putain. Qui savent d'où ça vient. Ça résonne dans les hôpitaux. Ils peuvent pas repérer le bruit directement, si. Alors, si personne n'arrive par derrière, il y a moyen de se défendre, quand même. Bon, j'ai cru qu'ils allaient tous se rameuter, mais non. On va essayer de les avoir un par un au fur et à mesure. Putain, arrêtez de bouger!
Et de deux. Personne n'arrive derrière. Okay. Oh non, il se ramène. Ah mais putain, mais lance ton truc là, fais-moi pas chier. Bon, elle est cramée. Voilà. Adieu. Je sais pas combien j'en ai eu. En théorie, j'en ai eu au moins un. C'est déjà... Oh putain. Non, la surprise de merde. Ouh, je suis quasiment mort. On se soigne immédiatement. En espérant qu'il vienne pas m'achever. Non, il a été sympa. Putain, mais regardez quoi. Je me suis fait toucher une fois, j'ai perdu quasiment toute ma vie. En deux coups, on est mort. Ouais, combat de pompe. Hello. Trou du cul. On recharge. Alors, soit ils sont planqués... Non, il y en a un tout au fond. On l'a vu. On va regarder un peu au shorty, voir ce que... au shorty. Avec El Diablo. Si on voit des lumières bouger ou quoi. Oh, putain. On va essayer de le headshot. Oui. Alors, j'espère qu'il n'y a pas 36 zones comme ça, parce que je suis en train de passer mes munitions. Non. Fais-moi pas chier. Ah, il a bougé. Arrête de bouger, bâtard. Tiens, bouffe. Alors, qu'est-ce que je me refais du coup? Rien pour le moment, on verra. En situation. On va repasser avec le flingue. Pour se défendre un petit peu au cas où. Mais je vois... Ah si, il y a encore un mec. Hein. Merde, je le voyais même pas. On va essayer de l'avoir au fusil d'assaut. Mais non, regardez-moi cette vision là. Putain, il va me tuer. J'ai pas le temps de placer. Salut. Laissez-moi ajuster mon tir. Non, mais casse-toi. Mais d'où il me touche, putain, je le vois même pas, je suis derrière le mur. C'est pas possible. Putain de bâtard. Allez. Hop, on augmente la santé maximum. Comme ça, on récupère en même temps. Bon, trou du cul, là. Comment je fais pour le buter, lui? Putain, mais... Tu commences à me... faire bien chier, toi. Putain. Saloperie, là. Allez, on ressort le shorty. Vous me faites chier, les gens. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer? À part des morceaux de cervelle, non. Je veux les magnétos de Marlène. Sans me faire buter, bien sûr. Ouh, ouais, une brique, merci. Alors, ils mettent des briques. Est-ce qu'il y avait moyen de contourner proprement? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé de faire cette approche au début. Hein. Ça m'a saoulé. Allez. Alors après, j'aurais pu retourner en arrière pour aller récupérer l'alcool, mais c'est pas grave. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin, là. Du moins, j'espère. Ouais, j'espère qu'ils n'ont pas fait durer le truc. À étendre à outrance la dernière séquence. Je vois rien. J'ai peur qu'il y en ait qui débarquent au dernier moment. Putain, mais donnez-moi des munitions, les mecs, là-haut. Ouais, mais autre chose que ça, là. Putain, regardez, un joli headshot. Un joli trou dans la tête. Toi, t'as quelque chose pour moi? Non, merci beaucoup, salut. Ouais, je vois des... Oh là là. Ah non, on est arrivé presque. Ah oui. Oui. Alors, attendez. On se précipite pas. On prend le temps de tout regarder. Je veux les magnétos, j'ai dit. Ah bah voilà. Il n'y a qu'à demander.
c'est parti. Salut, Anna. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je viens de donner mon autorisation pour l'opération. Je crois que j'avais pas vraiment le choix. Me demander n'était rien d'autre qu'une formalité. Je tiens à ce que tu saches que j'ai tenu parole pendant toutes ces années. Malgré tout ce que j'avais à faire, j'ai veillé sur elle. J'aurais fait n'importe quoi pour elle et il m'est arrivé de... Ok, elle était carrément censée nous buter. Ça, je m'en rappelais pas. Bon. De toute façon, on est à la fin. Putain. Oui. C'est elle allongée. Allez, j'arrive, Ellie. Mais voilà. Oh, putain. Mais je crois qu'ils sont... tout seul, y a pas de militaire, je crois, là. Qu'est-ce que vous faites là? Dégage. Vous pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend. Pensez aux vies qu'on va sauver. Dégage. Ne vous approchez pas. Attention. Dégage. Mais non, mais attends, je lui tire dans le genou, il meurt. Ok, d'accord. Je voulais pas le tuer, le mec, putain. Non, ça vous bougez pas ou... Non, moi je vais juste récupérer Ellie, je m'en fous de vous. Allez, Ellie, je te tiens. Je te tiens. Oh merde. Reviens. Ah. Oui, mais alors attendez. Wow. Ils sont sérieux? Je sais pas où on va, moi. Exit. D'accord, la bonne blague. Non, ne me faites pas... Non, pas de blague, chut, on dégage. Ah, ils tirent pas. Ah bah oui, mais ils doivent pas descendre la fille, je pense. Enfin là, ils auraient pu me tuer, en théorie, il était collé à mon dos. Oh merde. Non, au secours, non. Ah, quoique, c'est peut-être le cheminement, j'en sais rien. Bon allez, je me tais. Reculez, j'ai dit. Tu ne peux pas la sauver. Tu l'as fait sortir et après? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore... faire le bon choix, Joël. Elle ne sentira rien. Thank you.
C'est quoi ce truc ? Reste calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a trouvé les lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés, il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolé. Attends. Ne me tue pas. Pitié. Tu chercherais à la retrouver. Ça devrait être direct par là. D'accord. C'est plutôt joli, non ? D'accord. D'accord. Attention à ta tête en passant. Là, c'est bon. Là, je sens que je suis plutôt jeune. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais... Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse, j'étais souvent à la traîne. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendues, toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimée. Et je suis sûr qu'elle aussi. D'accord. Oh. Regarde en bas. On est presque arrivés. Plus très loin. Là, je te tiens. Donne-moi la main. Attends. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors... Elle m'a dit... On n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie... Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam... Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive... Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai.
Je te le jure. Le menteur. Bon, et ben voici qui finit le jeu, hein. The Last of Us, donc sur PS4. Alors ça m'a fait plaisir de le refaire, parce qu'il y avait pas mal de détails que j'avais zappés, ou même quelques séquences. Mais par contre, ouais, au niveau de l'amélioration, c'est pas vraiment tip-top, hein. Ça se voit que c'était quand même un jeu conçu sur PS3. Et au final, le portage n'apporte pas grand-chose. Enfin, quoi qu'il en soit, moi, je me suis jamais fait le DLC Left Behind, donc il est inclus dans le jeu sur PS4. Donc du coup, je n'ai pas fini mes vidéos sur le jeu. Alors après, je sais que c'est assez court, ça se fait en 2 heures je crois à peu près. Donc à mon avis ça va faire 2-3 épisodes maximum. En tous les cas, bah, je vous dis merci d'avoir regardé ces vidéos sur The Last of Us. Et à la prochaine pour Left Behind. Salut!